m'a dit, je vais monter sur toi avec la voiture-ci. Dégage de là. Tu ne veux pas quitter. Mignonne! Mignonne! Ma! Oh! C'est quoi? Lève-moi la chose ici, d'ici. Ah, ah, je vous entends crier depuis là-bas, il y a quoi? C'est le machin ici que ton père est parti chercher pour venir me fatiguer dans cette maison-là. Donc c'est le maigrichon aussi que tu as appelé pour venir me lever d'ici là. C'est mon fils que tu appelles maigrichon. Attends! Donc n'est pas tu te portais chez toi où tu étais pour venir te déposer ici. Pour que tu nous fasses la dictature. Quand tu venais dans la maison, tu n'as pas vu la voiture se déposer ici. En tout cas, tu offres le temps pour parler à ma mère qui m'a mise au monde. Je suis la femme de ton père, donc un minimum de respect. Et puis quoi? Tu manques le respect à ma mère, je te manque le respect. Avec moi, ça ne passe pas deux fois. Donc tu as deux secondes pour te lever de là. Donc c'est comme ça maintenant. Madeleine, c'est comme ça maintenant. Oui, c'est comme ça. Je ne bouge donc pas. Touche-moi, tu vas voir. maman, arrête là. J'ai dit que tu te lèves de là. Lève-toi de là, je suis pas en train de blaguer avec toi. C'est deux secondes avec moi. Parce que je n'ai pas encore les grands enfants. Tu peux appeler ton fils pour qu'il vienne me lever où je suis ici assise. Je me lève par ma délai. Tu montais seulement sur moi. Tu ne vois pas qu'elle pouvait t'accoucher. Tu n'as pas honte de t'asseoir et sortir ta bouche. Tu ne vois pas qu'elle pouvait t'accoucher. Un minimum de respect. Quand tu arrivais dans la maison, elle t'a prise comment? Hein? Donc c'est le merci de l'homme, c'est le caillou. Tout ce que tu as en train de bavarder là, ça ne m'intéresse pas. Mais importe là, tu jettes là-bas dehors. Lève-toi. Tu ne te lèves pas. Passe comme ça, passe comme ça. Ça, c'est même qui ça? Et c'est moi qui sors d'où? L'autre, je suis sors d'où? Je vais venir m'asseoir. Après, tu reviens. Après, tu reviens. Monte là-bas vite. Malchance. Hein? Ne marche pas. Je vois ça. Tu reviens aussi. Je vais appeler notre mari, Madeleine. Je vais appeler. Julien! Julien, sors d'ici. Après, tu reviens. En fait, tu reviens. Mais ce que je fais encore entendre, c'est le moment que tu as manqué le respect à ma mère. Tu vois, mon mec, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5. Mais te bafler. Julien! Julien, viens voir ce que ta femme et ton enfant sont en train de me faire ici. Appelle! Julien! Quand je pense que quand tu venais dans cette maison, je me suis dit que non, voici une bonne femme. Le genre que je te prenais comme ma grande. Laisse-moi les arguments que tu es en train de faire là. Tu me dois du respect dans cette maison. Tu me dois du respect. Julien! Tant que tu vas manquer le respect à ma mère, je vais te manquer le respect. Tu as compris? Quand tu pointes ton doigt, c'est qui? Tu n'as pas de mal que tu es venu à doigt là. Regardez-moi l'autre ici. Tu me dois du respect dans cette maison. Je vais l'appeler Julien. Tu peux appeler Julien, hein? Tu peux appeler. Tu peux appeler. Mais calme là-bas, parce que si elle voit ton fils dehors, on va pas te dire. Ça, c'est même quel genre ça, hein? On a même la maison l'autre ici où? On n'a pas appris à respecter les premières femmes. Tout parce que vous voulez la polygamie, mais dès que vous arrivez, non. Vous ne pouvez plus supporter. Parce qu'elle crie. Julio.